Hey hey hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play Découverte du Kit Paranormal où on retrouve notre petite Astrée, déjà dans sa petite bicoque hantée, où elle est en compagnie charmante d'une petite fantôme effrayante du nom de Tempérance. Et du coup, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec Tempérance, si peut-être qu'on peut devenir son amie, ou est-ce qu'elle va finir brûlée sur le bûcher? Ça pourrait être... Ah oui, donc la petite... Attendez, la petite statue qui est ici, on va la mettre dans son inventaire pour pas qu'elle fasse de mal à Tempi. Et Tempérance, on va essayer de la calmer. Alors, on a une bougie sacrée, mais là, elle est quand même hyper terrifiée. Hein. Et même, invasion de fantômes, Tempérance envahit les lieux, Guidry saura peut-être quoi faire. Parce qu'elle est très en colère, la petite. Donc, on va faire connaissance avec elle, on va s'excuser. On va pas se disputer, hein, parce que on va essayer de faire une vanne. On va peut-être la faire rire, ça pourrait être intéressant. J'aimerais savoir si Tempérance a une histoire, si elle peut nous faire... si elle peut nous raconter son histoire. Offrir un objet fabriqué. Tiens, une bougie rouge. Ça va peut-être te plaire, ma cocotte. Conversation offensante. Ouais, elle a l'air d'être super mauvaise comme meuf, en fait, en vrai. Hein. Elle veut pas nous excuser tout. En fait, on est vachement sympa. Mais ça n'aide pas. On va lui offrir le petit cadeau. Oh, elle a le sourire quand même. Hein. Une petite bougie? C'est pour moi? Merci Astrée, voici un petit cadeau en guise de remerciement, un colorant verso-verso-je. Mais qu'elle est gentille! Tu peux demander des encouragements, illuminer sa journée. Oh là là, on peut être sympa avec elle. Le jeu qui me propose draguer. Bah oui, bien sûr. Ah oh bah pourquoi pas au final. Hein. Les fantômes, elle connaît déjà Astrée. D'accord, maintenant elle nous joue du violon. Tout est logique. Ah, la lumière est revenue! Comment ça se fait? On la voit encore mieux comme ça. Hein. Oh, elle a les yeux verts. Je suis sûre qu'elle peut être sympathique et mignonne. Si elle n'était pas en colère tout le temps. Oh! Il y a un tout petit machin en vert! Oh, je pense que ça va pas continuer, mais... Non, c'est redevenu rouge. C'est dommage! J'étais remontée dans le vert. Moi, je m'en fiche. Astrée va être sympa. Et elle va être sympa tout le temps. On va discuter de sa colère. Bah oui, on comprend, ma biquette. On comprend que tu sois colère. C'est pas cool d'être mort. Oh, la vilaine! Elle lui fait des frayeurs. Ah oui, c'est comme ça que tu fonctionnes. Ah ouais, c'est comme ça que tu fonctionnes. Tu fais de la malice. Tu veux faire de la malice avec nous, on va faire de la malice avec toi. Et qu'est-ce que c'est que cette tâche? Un pistache? Qu'est-ce que c'est que cette tâche? Ah merde, ça marche pas. Ah, ça a marché une deuxième fois. Bien fait pour toi. Oh, franchement, je comprends pas. Elle veut pas discuter, Tempérance, elle est pas cool. Et je sais pas trop ce qu'il faut faire. En vrai. Est-ce qu'on arriverait à être amis avec elle? En tout cas, elle a peur. Mais elle réagit pas en tant que peureuse, donc c'est plutôt positif. Ouais, la conversation est odieuse. C'est même une confrontation. Ça devient de pire en pire. Et en plus de ça, elle arrête pas de faire des commentaires maladroits. Ah vas-y, se battre! On va se battre avec Tempi. Tempi, Tempi, si on se bat avec Tempi. Même Novan, elle en veut pas. Elle est mauvaise. Allez, c'est la bagarre! C'est la bagarre! Qui c'est qui va gagner à votre avis? Parce que là... Oh. Oula! Oh mon dieu, je pense que c'est Tempérance qui va gagner. Ah, quoique, Astrée n'a pas dit son dernier mot. Eh ben non, c'est Tempi qui a gagné. Je crois que le seul truc qu'elle aime bien, c'est qu'on lui complimente la tenue. Donc on va le faire pas mal de fois. Oh, elle est plus en colère, elle est confiante! Ah ça c'est cool! Écoutez, on va essayer de pouvoir discuter avec elle, du coup. C'est déjà mieux qu'en colère. Elle n'a pas l'air de cacher quoi que ce soit, sauf si elle est juste très méchante et on ne peut pas discuter avec elle. En vrai, on va sortir les petites statues maintenant. On en a une, deux, trois, quatre, cinq. Si avec cinq statues, on la fait pas cramer sec. Moi, je me pose des questions, donc je vais les poser. J'ai posé une, deux, trois... 4, 5 statues autour de Tempérance. Il y en a une qui cramait. Ah mince. Bah, elle s'en va. Oh, c'est la tristesse.
Bon, eh ben c'est pas grave, on va quand même laisser les statues à proximité dans la maison. Allez, Astrée, complètement flinguée, elle est fatiguée, donc c'est au dodo. Et elle ira beaucoup mieux en se levant. Ben voilà, ce fut une belle nuit, tu t'es bien reposée. C'est cool, je sais plus si elle travaille. Non, mais par contre, on n'a pas beaucoup de cadeaux, donc on va s'adonner à ça ce soir, on va rester encore à la maison. On va fabriquer des petites choses pour les futures missions et les futurs spectres qu'on pourra rencontrer. Et on prendra bien sûr une petite mission en expert pour après. Une petite bougie verte sauge avec le colorant que Tempérance nous a offert. En espérant que ce soit pas un colorant hanté, hein. Enfin, je veux dire, la maison l'est déjà, donc on n'est plus à ça près. Ah ! Voilà Guidry ! C'est maintenant que tu viens, mec, alors que Tempérance était là la nuit dernière ? Franchement. Comment elle largue un genre, mais pff, t'es nul, mec. J'avoue. Elle est belle. Tu vas ajouter des paillettes blanches. Oh, superbe. Et tu peux mettre dans l'inventaire. Je vais faire des compositions, en fait, qui valent super cher. Vous voyez, dans toutes, on a tous les prix. Ah, des marguerites. C'est plus... Parce que, en fait, j'avais fait des roses oranges. Et je voulais faire des... Fais des roses rouges. On verra bien ce que ça donne, parce que peut-être que plus c'est cher et mieux c'est fait, et les fantômes ils aiment bien les cadeaux, donc je vais tenter des petits trucs comme ça. Et niveau 5 du bricolage. Oula, j'ai entendu des bruits. Ah, nous avons une petite manifestation ici. Viens m'essuyer ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais il est dans la cheminée. C'est un peu difficile pour le choper en fait. Ah bah c'est Guidry qui s'occupe. Écoute, viens l'observer et tente de communiquer avec lui. Je sais pas comment, parce que bah, il est coincé dans le mur, quoi. Bah oui, mais je sais bien, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je pense qu'il vient voir son copain qui est coincé dans le blob-blob, là. Pauvre biquet. Ouah, au niveau 8 de la compétence tricot. On va pouvoir faire des grenouillères pour bébé, si on a envie de faire un bébé. Attends, mais elle a réussi à me faire un tapis. Je l'ai jamais vu, celui-là. Même dans le debug, il y existe pas. Et puis, il est tout déglingué. Ah, ça m'éclate. Bon, on va pas l'offrir aux fantômes, celui-là, parce que je pense qu'ils vont nous cramer sur place. Mais on va le mettre dans la maison. Écoutez, ça me fait, il me éclate de rire avec les trous et tout. Moi, je le trouve super stylé. Voilà, chacun son truc. Et si, en vrai, on pouvait récolter des fleurs et tout et donner au spectre. Je vais tester ça, parce que j'en avais pas encore testé. Oh, la vache. Allez, c'est bon, t'es rentré à la maison. Tu vas te... douchée, elle est crevée. Tu vas quand même prendre un contrat en expert. Tu te douches, tu te couches. Et on devra rapidement aller travailler. Mais là, elle a besoin de... Bah, je l'ai envoyé courir, donc ça n'a pas aidé, quoi. Bon, Guidry débarque. Ça va être l'heure pour elle d'aller bosser. Donc, bon, elle aura faim. Et puis, il y aura le pipi à faire. Bon, ça va être sympa, tout ça. Ouais, on y go. Ouh là 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 là, quelle belle petite maison. Est-ce que tu peux déjà frapper à la porte? Comme on voit, il y a déjà pas mal de spectres qui se baladent. Cette superbe maison de Oasis Springs. Mais on est chez Tempérance! Mais la vanne! On doit exorciser la maison de Tempérance. À quel point c'est stupide un peu, non? Je sais pas, vous croyez? Va au pipi. Va au pipi pendant que t'es bien. Et écoute, si t'as quelque chose à manger, tu vas le manger, mais de suite. Alors, on n'a rien à manger. À part ce gâteau. Mange l'ecto-gâteau. Je sais pas si ça va faire quelque chose de bien, mais on est là pour tester les choses, en fait. Hein. Ça la nourrit. Donc, c'est déjà super. Et elle a fait pipi. Ça fait qu'elle va être vraiment en meilleure forme. Tu vas m'enlever cette poupée. Et on va commencer à disposer... Mais sérieux, j'ai... Oh non, mais l'arnaque. Vous savez quoi? Les bougies que j'ai dans mon inventaire, elles continuent de brûler, en fait. Mais c'est complètement débile. C'est complètement débile d'avoir des bougies qui brûlent alors qu'elles sont dans l'inventaire. Oh la vache. Les coups, ils sont encore plus violents que ma voisine, elle fait, dis donc. Du coup, l'ecto-gâteau, âme repue, ce qu'il y avait dans ce truc est clairement efficace, vous n'aurez probablement pas besoin d'en manger avant un bout de temps. C'est vrai, mais c'est trop cool si ça la repaie très bien comme ça. Du coup, on va en profiter, je vais acheter quelques petites bougies, en espérant qu'elles ne crament pas toutes. Ça va, c'est 500 points, et si ça permet d'assainir les lieux pour qu'elles se sentent bien et tout, je vais dire oui. On est quand même à un total de 8 spectres sur cette petite maison. On est pas mal. Mais pourquoi tu...
Mais essuie. Oh là là, tu vas nous enquiquiner. Ensuite, tu vas faire une offrande, tu vas offrir une bougie. Tu vas faire une offrande, tu vas faire le porte-plante. On va tous leur faire une offrande et puis on verra bien ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Et on va offrir les bouquets. Ah, ça y est, ils se vénèrent un peu. Tempérance, elle est complètement zen, vous avez remarqué. En même temps, elle est elle-même un fantôme méchant. Donc je pense avoir 8 spectres méchants chez elle. On n'est plus à ça près. Oh, yes! Ah yes, il est content. Il nous a laissé de la cire. Ah, les roses rouges. Donc il voit assez cher ce cadeau-là. Ah oui, kiff. Yes. Un ectogâteau, on le met de côté. Tu vas m'enlever ces mains-là. Et puis on va continuer à faire des offrandes. Ah mais on a presque fini déjà en fait. Ah mais c'est trop simple la vie. C'est trop simple. Parce que là, si le prochain spectre, il accepte notre cadal, ben c'est bon, on a gagné quoi. C'est trop simple les experts en fait. Bon, il aime pas. Et toi, on va t'offrir les roses oranges. Parce que c'est un beau bouquet, hein, s'il te plaît. Oui, yes, il a kiffé. Et nous avons donc terminé le contrat. Et 3000 simflouz. Donc on va rester sur le terrain. Oh. Et tiens, Tempérance, c'est rien que pour toi. Alors tu vas admirer le nouveau bien, éteindre. Et tu vas les éteindre toutes, parce que je sais pas... Je me demande s'il faut pas les éteindre avant de les mettre dans l'inventaire, mais on est obligé d'en racheter tout ça et de faire vivre le commerce des bougies sacrées. Mais bon. Non, par contre, la statue ne fait absolument rien si on la met à côté de Tempérance, parce que Tempérance n'est pas considérée comme Tempérance quand elle est chez elle. Nous voilà rentrés. Ah ouais, ça flotte un petit peu. Rien à déclarer ici. On a toujours Guidry qui est là. J'ai rien dit. Il y en a un petit qui est arrivé ici. Oh, d'ailleurs, on a peut-être reçu un cadeau. Pour notre mission, une récompense. Bah ça doit être cette idole là, non? Bah non, c'est celle qu'on a eue avec les spectres. On n'a pas eu de petit globe. Moi oh, je suis un peu tristesse alors. T'es vénère mon petit. Attends mon biquet. On va tenter de communiquer. Et puis au pire on va te faire une petite offrande. Alors je vais t'offrir une sculpture d'éléphant. Oh il est content. On a communiqué avec lui. Même pas besoin de lui faire un cadeau. Oh, bah c'est sympa. Et du coup, on peut faire quoi? On peut tenter de communiquer. Ah, et je vais offrir son... Offre ton âme à ce petit spectre. Voir ce que ça fait. Voilà, il est parti à moitié dehors. Oh, ça va, il est là. Il est content, il a smile. Il est mignon. Oh, bah elle a retrouvé ses paillettes. J'aime trop. Mais moi, je veux me des paillettes. J'ai dit les sims. Non. Alors? On va lui offrir un petit bout de notre âme. Et comme il est gentil... Ah, il adore ça, hein. Oh, de la bougie. Super, merci beaucoup, petit spectre. Et du coup, je pense que... Oui, il manque quelque chose. Raison offre un morceau de son âme. Perdre une partie de son âme n'est pas très agréable. Au moins, ce spectre en a fait bon usage, n'est-ce pas? Peut-être, peut-être bien. Oh, mais pendant ce temps-là, j'avais pas vu. Essuie la créature visqueuse qui est apparue. Ah. On n'a plus de bougies à la maison. Hop là, on va en installer une ici. Voilà, peut-être... Ouais, ça a fondu, hein. Ça a fondu ici, ah ouais, c'est ça. Ah ça, c'est chiant, hein. Faut renouveler, faut faire fonctionner le... Eh bien, le marché des bougies. Pour qu'elles se sentent mieux. Le petit ectoplasme ici. Sinon, bah c'est clean, hein. Il n'y a rien nulle part. On va invoquer Bonhilda parce que... Il y a un petit peu de... Il y a un petit peu de bordel, voilà. Il y a une douche à nettoyer et Hilda, elle le fera hein, à notre place, hein. Zut, hein. La séance de spiritisme a été interrompue. Ah, elle est trop fatiguée. Bon, bah, il est 7h, vas-y, va te coucher. Tu as bien travaillé quand même. Bah, t'es effrayé des cauchemars, toi, maintenant? Des cauchemars. C'est pas... Non, elle est pas effrayée des cauchemars. Elle est effrayée des orages. Oh. Ben non, mais t'inquiète, oh, c'est un petit orage, c'est la nature. C'est moins effrayant que Tempérance, quand même. Ah tiens, d'ailleurs, l'orage nous a laissé un petit plume bobus. On va le mettre dans l'inventaire. On verra bien ce qu'on pourra en faire. Ah bah d'accord, il m'a cramé mon arbre. Et les lanternes, sympa. Alors, est-ce que Bonhilda va arriver? Yes. Hey, salut Bonnie. Comment tu vas? Quelle jolie tenue que tu as là.
Ah, elles sont besties, hein, ou pas, là. D'accord, maintenant, elle aussi nous fait du violon. Ça, ça doit être le plan d'action dans le coin, hein. T'es obsédé avec ton bar, toi. Tu vas me tricoter des trucs. Tu viens t'asseoir et on va préparer des cadeaux pour prochaine mission avec les fantômes et les spectres. Qui ne sera pas ce soir, mais bientôt. D'ailleurs, je me pose une question complètement existentielle. On est d'accord que Bonhilda est un squelette. Alors pourquoi elle a de la poitrine? Les seins, c'est pas des os. Les seins, c'est de la chair, c'est de la graisse. Alors pourquoi elle aurait juste de la chair et de la graisse au niveau des boobs? Vous avez 2 heures dans les commentaires, je veux une disserte. Thèse, antithèse, synthèse. Merci. En dehors, l'orage n'en finit pas. C'est pas cool. Vraiment pas cool. Oh oh! Oh oh! Il n'y a plus d'électricité. Oui, alors ça, c'est toutes les bougies fondues que j'ai encore, mais qui font de la lumière. C'est super cool, la lumière. Mais là, il n'y a plus d'électricité. Allez, Tempérance, montre-toi. Si tu es là, n'aie pas peur. Nous, on n'a pas peur de toi. Et puis, on a quelques petites statues qui vont te faire un peu de mal et qui vont te cramer les petites fesses. Ça y est, elle a peur. Ça y est, elle a peur. Mais non, mais elle n'est pas là. Je n'ai plus aucune idole sur moi. Elles ne sont pas faciles à trouver. Vous arrivez peut-être à en obtenir auprès d'une spectre si vous avez de la chance. Et n'oubliez pas, si tout le reste échoue, utilisez vos compétences de médium pour appeler Bonhilda avec la table de spiritisme. Mais elle est là. J'ai tout le squat, sauf... Tempérance n'est pas là, en fait. C'est dommage. Elle est là. Ça y est. Elle est apparue. Eh, viens à la maison, viens à la maison. Viens. Il y a des petites idoles qui t'attendent un peu partout. Viens, Tempérance. Viens, 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 appelle-la, appelle-la. Qu'on rigole. Viens à la maison, viens. Oh là là, qu'on se marre, viens. Voilà, maintenant elle est là. Eh ben, les... Ah, j'allais dire... Elle va casser mon frigo! La statue brûle, mais ça n'a pas l'air de... Ah si, ça y est, ça lui fait un peu de mal. Ah, quand même. Bien fait. Crame. Mais si tu veux, tu peux venir dans le salon, il y en a quelques-unes de plus. Ok, bon. Et qu'est-ce que ça fait? Elle a un peu mal et elle s'en va? Ah, bon, ça va, c'est un petit fantôme de rien du tout, en fait, ça va. Voilà, et lui, du coup, il joue de la guitare. Il se dit, ouais, c'est bon, il est parti. C'est bon, on va faire la fête. C'est juste l'électricité qui est pas revenue, quoi. Bon, je parlais trop vite, hein. Il y a des trucs qui sont à la rue. Va falloir s'en occuper. Par contre, Bonhilda, on est d'accord qu'elle fait jamais le ménage, en fait. On va communier avec les défunts, et puis, je sais pas, on va invoquer des morts, tiens, parce que c'est vrai qu'on l'a pas fait depuis un très long moment. Et que, bah, pourquoi pas. Ah, l'électricité est revenue. C'est une bonne nouvelle. Par contre, ça lui pompe une de ses énergies, vous avez pas idée, hein. Bon, ça va, après, il est 6h du matin pour aller se coucher. Ah! Oh, il y a des petits spectrous! Trop mignons, les petits spectres! On va communiquer avec eux. Ils vont peut-être nous faire des cadales. Ils sont mignons, ils sont verts, ils sont gentils. Normalement. Oh, elle a retrouvé ses paillettes, du coup. Trop cool. Ils sont mignons, les deux, là. Des petits jumeaux. Trop chou. Arrête de... Ne drague pas. Tu fais une offrande. Est-ce que tu peux lui offrir des petits trucs, tu vois? Une petite sculpture de cheval. Allez. Il l'a pas aimé. Elle bâtère. Ah, bah ils sont partis. Bon, bah c'est toujours ça. Allez, tu vas aller dormir. Te reposer. Ah, avant de dormir. Non, on va te prendre une autre mission. En expert. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et dodo. Bon, bah visiblement, on est reparti pour des orages pour la journée. C'est cool. Je valide. L'enquête commence déjà dans 1h30. Pour l'instant, elle mange, tout simplement. C'est l'heure d'aller enquêter. Là, je vais faire une toute petite sieste, histoire qu'elle soit pas trop fatiguée. Et c'est parti. On va chasser et exorciser. Oh, nous sommes encore à Oasis Springs.
à cette grande maison. Ah, yes. Alors, on a déjà des petits spectres qui se baladent. Tu vas frapper à la porte. Tu vas donner un coup de pied ici. Elle est énorme, cette maison, par contre. C'est un truc de fou, hein. Bon, on aura de quoi faire, hein. Je sais pas combien il y a de spectres. J'en vois trois dehors ici et un autre là derrière. Donc, ça en fait quatre, rien qu'à l'extérieur. Alors, il y a quelques petites personnes. Nous avons une poupax ici, ça dégage. On a un spectre à l'intérieur. Un seul, oui. Encore un autre là. Un autre là. Ça va, c'est... On a connu pire, hein. Remember le petit appartement ou la petite mini-maison qui est à Forgotten Hollow. Allez, on va commencer, on va faire une offrande. Tu vas faire un beau tapis pour ce petit spectrus. Oh, il est pas content, regardez, il est... Oh, il est colère. Allez, un beau petit tapis, tu vas voir, on l'a tricoté avec... Amour. Enflure. Ouf, vous êtes là. Oui, c'est ça. Même si cet endroit est tenté, c'est un peu excitant. Oui, d'accord. Calmez-vous, calmez-vous. Vous inquiétez pas, Astrella. Elle s'en occupe. Oui! Il a accepté de partir. Ah, ça c'est cool. Alors, on a un autre ici. On va essayer de lui faire une offrande. Une petite sculpture d'éléphant. Yes, il est content. Tu vas nous donner quoi? Oui, de la cire pour des bougies. Ça, on aime. Alors, nous avons un petit truc ici à essuyer. Elle est hyper grande, la maison. Hein. C'est vraiment... Fouf. On a le temps de s'ennuyer d'aller d'un bout à l'autre. Hein. Alors, ici, il y a une plante tordue à enlever. Et il y a trois spectres devant. Je vais essayer de... Voilà, on va lui demander de partir. Lui, on va lui faire une petite offrande. On va lui offrir un beau petit tapis. Je sais pas si ils ont peut-être pas une maison... ils ont peut-être déjà des tapis assez chez eux, hein, pour pas accepter les nôtres. Il a accepté de partir! Oh yes! C'est cool! Tiens, et toi? Tu vas voir! Oui! Il a accepté! Il a accepté! C'est de la petite cire! Oh, ça c'est bien. Moi j'aime bien avoir de la cire parce que ça fait plein de bougies. Après, elles sont pas très chères à acheter, mais bon. On va lui offrir un pull avec une robe rose pour femme. Peut-être pour sa copine, hein, on sait pas. Oh, il a kiffé! Oh, un soda de spectre! Vas-y, bois-moi ça! Oh, bah, on a la compétence 2 en archéologie. Par contre, oula, elle est bêtée. Vous avez l'impression étrange d'avoir plus d'expérience. Bah oui, mais t'inquiète, c'est bien. Mais non, elle est terrifiée. Mais pourquoi t'es terrifiée, ma biquette? Tout allait bien. Tout allait bien, regarde. On a une bougie ici. Viens là, viens là, viens te... Oh! Il y a une petite plante tordue ici. C'est peut-être pour ça que t'es pas à l'aise. Mais regarde, tu la fous en l'air et on est bien. Ouh. Oh non, pas encore. On n'a pas encore fini. Ça, je le fous en l'air, on a fini. Mais j'ai envie de... J'aime bien faire des offrandes au spectre. Parce qu'en fait, après, il nous laisse des cadeaux. Et ça peut être vachement sympa d'avoir... De voir ce qu'ils peuvent nous offrir, quoi. Alors, une petite sculpture pour toi. Ok, d'accord. Ok, ok. Est-ce que tu peux partir? Juste, tu me dis si tu as envie de partir, ce serait cool. Ah, mais il a dû accepter puisque le travail est terminé et donc on va rester sur le terrain et on va éteindre la bougie. Youpi! Et tu vas me la mettre dans l'inventaire et on va repartir avec nos bougeax, bien sûr. Moi, je me lasse pas du travail, en tout cas. J'aime bien, ça me fait marrer et bien sûr, faut tomber sur des bons trucs et des bonnes missions, quoi. Et voilà, on est de retour à la maison. Et puis je pense que nous on va s'arrêter là. Je vais aller si on a reçu une récompense sympathique. J'ai reçu une poupée. Oh oui, une poupée. Bah, alors sachez-le, elle s'appelle Dahlia, cette poupée, hein. C'est voilà. Elle s'appelle Dahlia. Oh là là, bonjour Dahlia. Besoin d'une thérapie? Vous pouvez tout dire à Dahlia. Parler à Dahlia vous apaisera et calmera vos peurs. Alors dites-lui tout, elle est là pour vous. C'est trop bien, parler à... bonjour. Bonjour Dahlia. J'ai envie de voir ce que ça donne. On a une poupée. Alors celle-ci, elle est pas hantée. Hein. Elle peut être apparemment positive. On va voir ça. Est-ce que Dahlia va répondre? C'est ça la question. Bah, il n'y a pas l'impression que Dahlia réponde à nos sollicitations. C'est bien dommage. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce kit et le gameplay qui en découle.
Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous voulez que je continue, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je teste. Peut-être, il y a peut-être des choses que je n'ai pas encore testées et que vous voulez que je teste. Comme ça, je le ferai dans un épisode prochain. Sinon, ben, tout simplement, on s'arrêtera là. J'espère que ce let's play vous aura plu. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je pourrais encore continuer pas mal de temps, hein, jusqu'à la retraite d'Astrée. Bon, elle vieillit pas, donc forcément, ça risque de faire très très long, mais bah, le kit est vraiment cool, le CAS, les meubles, et également la carrière, et ils ont inclus quand même pas mal de personnages, et moi je trouve ça sympathique, il y a vraiment moyen de s'amuser, et aussi de se faire pas mal de pognon avec la carrière. Moi je vous remercie de m'avoir regardé, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, et les partager un peu partout sur la toile, pour me faire connaître et m'aider aussi pour la chaîne. Je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao.